Allez, au complet sportif de la Jamborie, on est avec Thomas Guignat. Salut Thomas. Salut, bonjour. Robin, Kim, salut. Bon, vous êtes là, c'est quelques jours à Villeneuve-sur-Lot. On voulait savoir un petit peu, toi Thomas, tu es déjà venu l'année dernière. Tu étais présent avec nous à Villeneuve-sur-Lot. Là, tu viens pour le club de Chênes. Qu'est-ce que tu recherches, ta venue cette année sur le centre d'entraînement de haut niveau de Villeneuve? Ben, la venue, elle est essentiellement, pour ma part, sur un aspect d'entraînement, de voir un petit peu le contenu des différentes séances, de voir l'état d'esprit qu'on peut y mettre aussi pour y arriver, et puis pour aussi s'imprégner de cette dynamique de groupe qui existe maintenant depuis quelques temps au club de Villeneuve, qui donne envie, voilà, à travers ce qu'ils arrivent à faire, à travers aussi la richesse des joueurs, des entraîneurs, et de la mentalité. Donc voilà, c'est bien s'en imprégner pour apprendre et puis pour avancer sur ce profil d'entraîneur également. Toi, tu es plus sur l'aspect entraînement, hein, mise en place des séances et avoir des joueurs de ce niveau-là ici à Villeneuve pour pouvoir mettre en place des choses ensuite dans ton club à Chênes. Ouais, voilà, bah ouais, après je reste lucide sur. Il y a quand même des joueurs qui ont un certain niveau de jeu maintenant. Venir pour copier sur un moindre niveau dans mon club à Chênes, dans votre club. Voilà, c'est voir en tout cas ce qu'on peut y amener dans la mentalité aussi. Après, le contenu, c'est à nous, entraîneurs, de faire la différence. Mais voilà, c'est de venir voir un petit peu ce qui peut marcher, ce qui fonctionne, et puis pouvoir après l'habiller à ma manière au club de Chênes. Par rapport au niveau et par rapport à voilà, toute l'infrastructure que tu peux avoir à Chênes. Comment ça se passe à Chênes? Bah, ça se passe bien, alors c'est tout nouveau pour moi, donc la nouveauté, la découverte, c'est toujours des émulations particulières quand on vient d'arriver, donc ça se passe très très bien. Après, l'entraînement, entraîner, former, ça prend énormément de temps, hein. Donc voilà, il faut être patient et faire les choses au fur et à mesure, mais pour l'instant la dynamique est super sympa, les jeunes ont envie, on arrive à créer des choses, et, donc pour l'instant on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie. Le moyen et le long terme. Oui, c'est ça, il faut le travail. Ouais, il faut. Bon, Robin Kline, toi t'es joueur. Ouais, toi, tu joues à Ponto Combo. Voilà, tu es venu avec ton ancien entraîneur en fin de compte. Ah, c'est ça. C'est une invitation assez proche. D'accord. Il m'a suivi pendant 5-6 ans et puis on a gardé contact. Je suis venu aussi avec lui cet été et puis on est reparti pour le second. Alors, toi, tu cherches quoi ici? Là, vous partez les jours à venir. Là, ouais, on va repartir. Voilà, vous repartez. Toi, en tant que joueur, hein, c'est en ça. En tant que joueur, j'étais venu là pour progresser, pour jouer un petit peu, ne pas m'arrêter surtout parce que c'est les vacances, il n'y a pas des stages forcément partout. Et puis, j'avais vraiment aimé venir à ce stage-là cet été parce que voilà, au niveau du niveau de jeu, il y a beaucoup de relances, beaucoup d'intensité, etc. Et c'est vraiment ça que je suis venu rechercher. Et puis voilà, c'est super intéressant. Tu vas garder quoi de ces quelques jours-là, ces jours-ci à Villeneuve au niveau sportif? Au niveau sportif, je pense que j'ai pu prendre beaucoup de. Bah, au niveau de la condition physique surtout. Oui. Je pense que ça, voilà, je me suis ça faisait du bien. Ça m'a fait du bien, donc forcément, au niveau de la condition physique, ça va beaucoup mieux que voilà. Puis, c'est des joueurs que tu connaissais un petit peu, alors soit que tu connaissais directement. Voilà, ouais. De cet été surtout, mais ouais. Voilà, donc non, il y a une super belle ambiance, donc enfin, c'est super. Bon, puis avec un beau maillot, puisque la victoire 4-0. Hein. Voilà, puisque hier soir Paris, merci Thomas de me frotter le dos, voilà, donc bon, un très beau maillot, il voulait absolument le mettre Robin ce matin pour l'interview, bon bah j'ai pas pu faire autrement. Thomas, alors on aura l'occasion de te revoir régulièrement ici. Ouais. Est-ce qu'il y a... C'est pour ça qu'il y a une petite parenthèse que je voulais rajouter aussi, c'est ça que les gens peut-être ne voient pas forcément, c'est qu'on a aussi un encadrement, donc que ce soit Julien, que ce soit Cédric, même toi indirectement, ou les joueurs, il n'y a pas que ce qui se passe à la salle, mais il y a une réelle disponibilité, une réelle ère des valeurs humaines, où voilà, on nous propose de faire des choses le soir ensemble, on a déjeuné avec Julien Hilliard qui vient naturellement nous voir, Cédric a été dispo aussi avec nous pour aussi nous aider dans la logistique, etc. Donc ça aussi... On a vécu hier soir, une soirée pizza, des champions. C'est ça aussi, ouais. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, le relationnel va créer des choses, on va peut-être donner différemment quand on est en séance. Et tout ça, voilà, c'est une richesse que je trouve vraiment vachement importante ici au club Villeneuve. Il ne faut pas hésiter à générer autour de soi, franchement. La proximité, ouais. C'est un petit peu voilà, le mot PPCV quand on sort des pros. Oui, il y a peut-être la barrière. Après, voilà, on sent qu'ils préparent les France, hein, ça se ressent quand même, mais il y a toujours quand même une
ouverture avec laquelle on peut être amené à partager un moment super sympa. Donc pour répondre à ta question, quand il y aura une possibilité de revenir, évidemment ce sera fait avec grand plaisir. Évidemment. Et puis nous on aura fort plaisir à vous recevoir ici tous les deux. Et puis d'autres, qu'on attend impatiemment au complexe sportif de la Mère Maureen. On va vous souhaiter un bon retour. Merci, merci beaucoup. Dans les jours à venir. Et puis bon courage pour la suite de la saison. Merci. Pour toi, on est aux entraînements à Chelles. Ouais. Et puis toi, pour la suite de la saison à Pont-au-Groumont, c'est ça, c'est voilà, bien. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, les gars. Et puis bon courage pour le match retour. Et puis allez, Paris. Merci beaucoup.